Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la recette de mon entremets chocolat blanc avec un insert à la framboise. Donc tout d'abord la base de l'entremets sera une génoise, donc je vais démarrer par la génoise. Voilà, donc là vous voyez, ça forme un ruban, donc c'est que c'est prêt. Donc là, comme vous pouvez voir aussi, ça a bien triplé de volume. Donc là, je vais venir tamiser la farine et l'ajouter au mélange. Que vous devez obtenir. Il faut qu'il n'y ait plus de grumeaux. Il faut que ce soit bien mousseux. On va enfourner à 180 degrés pendant entre 12 à 15 minutes. Voilà votre génoise fraise. Alors, quand vous mettez votre doigt par-dessus, vous devez avoir la trace. Il ne faut pas trop que ça soit en surcuisson. Il faut juste qu'elle soit dorée. Voilà, comme ça. Donc là, on va la laisser refroidir. Donc, à défaut d'avoir des framboises fraîches, ce que j'utilise, c'est du coulis de framboise. Donc moi je l'ai trouvé chez Carrefour, vous pouvez tout aussi bien le trouver dans n'importe quelle grande surface. Donc vous prenez uniquement un coulis de framboise, donc là c'est 165 g de coulis de framboise. Donc ce coulis de framboise, je vais le faire revenir à la casserole, donc pour le chauffer. Et je vais ensuite ajouter 2 feuilles de gélatine. Voilà, donc moi j'utilise de des feuilles de gélatine halal. Donc c'est de la gélatine bovine halal. Donc vous pouvez en trouver sur internet. Donc moi je l'ai trouvé sur Instagram. Je vous mettrai en description l'insta où vous pouvez le trouver. Donc on va commencer par faire fondre les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Voilà. Donc là je mets mon coulis de framboise à la casserole. Et je vais le faire revenir sur le feu, à feu doux, juste histoire de le réchauffer pour qu'on puisse incorporer les 2 feuilles de gélatine. Donc c'est super important que le coulis soit chaud, sinon votre feuille de gélatine, elle ne fondra pas. Donc pour pouvoir faire mon insert à la framboise, moi j'utilise vraiment ce que j'ai sous la main pour pouvoir le faire. Donc là, comme vous voyez, j'ai pris une assiette en plastique que j'ai recouvert d'un papier film et en fait je vais venir mettre mon coulis à l'intérieur que je vais placer au congélateur pendant à peu près 1 heure pour qu'en fait le coulis puisse durcir et en fait après on aura juste à retourner et enlever le papier film du dessous pour pouvoir l'intégrer à l'entremets. Donc une fois le coulis de framboise chaud, on va venir incorporer les feuilles de gélatine. Donc dans un premier temps, on essore les feuilles de gélatine de l'eau.
et je vais venir ajouter dans le coulis. Je vais bien mélanger jusqu'à ce que les feuilles de gélatine fondent. Voilà, une fois le mélange refroidi, on va venir le verser dans l'assiette. Je vais passer au congélateur pendant environ une heure. Donc la prochaine étape, ça va être la mousse au chocolat blanc. Donc au niveau des ingrédients, vous allez avoir besoin de 2 feuilles de gélatine, de 40 cl de crème liquide entière, donc il faut que ce soit minimum 30% de matière grasse, donc d'une tablette de 180 g de chocolat blanc, donc dessert de préférence. Donc en ustensile, vous allez avoir besoin d'un saladier et d'un batteur électrique. Donc on va monter une chantilly avec la crème liquide. Donc pour vous faciliter la montée de la chantilly, comme j'ai pu vous le faire précédemment sur la vidéo du tiramisu, vous placez au frais le bol dans lequel vous allez monter la chantilly, les bras du batteur, ainsi que la crème liquide au congélateur. Donc la crème liquide, vous pouvez la mettre 15 minutes avant de vous en servir. Le bol et les bras du batteur, vous pouvez les mettre même une heure avant de commencer votre préparation de chantilly. On va commencer dans un premier temps par faire fondre le chocolat blanc au bain-marie. Donc on va également mettre les 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide pour caraméliser. Voilà. Vous allez avoir besoin également d'une autre brique de 20 cl de crème entière. Et du coup vous allez mettre à peu près 10 cl, donc la moitié de la brique avec le chocolat blanc à faire fondre au bain-marie. On va venir faire fondre le chocolat blanc au bain-marie. Voilà, donc une fois les feuilles de gélatine bien fondues, on va laisser le mélange refroidir tranquillement, pendant qu'on va monter la chantilly avec les 40 cl de crème liquide. Voilà. Donc une fois sorti du congélateur, je vais venir battre la chantilly. Première vitesse pour commencer et ensuite on augmente la chantilly. Donc là, votre chantilly est prête. Pour la mousse chocolat blanc, je viens verser mon mélange chocolat blanc gélatine dans ma chantilly et je vais venir mélanger tout ça. Donc pour le mélanger, toujours le geste du bas vers le haut pour ne pas faire tomber la chantilly. Et on incorpore bien tout le chocolat blanc à la chantilly. Voilà le résultat de la mousse. Faut pas qu'elle soit liquide, faut vraiment, voilà, ça vous donne une mousse au chocolat blanc. Donc maintenant on va passer au montage. Donc pour le montage, on va commencer par le fond de génoise. Voilà ma génoise prête. Donc mon cercle à pâtisserie, ça va être celui-ci. Donc il est réglable. Vous pouvez en trouver en grande surface. Donc en fait, au niveau du montage, moi j'aime pas quand on voit la génoise en dessous. Donc ce que je fais, c'est que je le prends, je découpe un peu plus petit. Ce qui fait qu'après, en fait, je laisse une épaisseur pour qu'il y ait de la mousse en fait entre la génoise qui sera au milieu et la mousse sur le côté. Comme ça va cacher en fait la génoise. Voilà, donc je vais venir découper ma génoise en fonction du diamètre
désirée. Et on va commencer le montage. Voilà, donc j'ai mis ma génoise dans le fond de mon cercle à pâtisserie. Comme je vous ai dit, j'ai laissé sur le côté de la place pour que la mousse vienne cacher la génoise. Donc là, je vais sortir mon insert à la framboise et je vais commencer par mettre donc, de la crème, ensuite l'insert et je vais finir par la crème. Donc je vais mettre une couche de mousse. Donc j'oublie pas de bien m'en mettre sur le côté. Une fois ma première couche de mousse au chocolat mise, je vais venir mettre mon insert. Donc voilà comment se présente l'insert. Comme je dis, après j'ai juste à retirer du papier film et je vais le mettre par-dessus. Voilà, donc là j'ai positionné mon insert au milieu de mon gâteau et je vais venir terminer par une couche de chocolat blanc, de mousse au chocolat blanc, pardon. On met le reste de la mousse. Donc à l'aide d'une spatule, je vais venir lisser le haut de l'entremets. Voilà. Donc une fois votre entremets fini, on va le mettre au congélateur pendant à peu près une demi-heure, histoire que la gélatine se fige bien à la mousse, et après ça va finir au frigo. Donc, une fois votre gâteau sorti du frais, vous vous munissez d'un petit couteau comme ça. Vraiment, faut qu'il soit assez fin. Pour faciliter le démoulage, je prépare toujours aussi un peu d'eau chaude dans laquelle en fait je vais venir tremper mon couteau pour pouvoir en fait dégager les contours avant de pouvoir démouler. Donc là, je vais passer au démoulage. Donc une fois les côtés dégagés, je vais venir démouler mon entremets. Voilà. Et donc voilà le démoulage. Donc là je vais venir lisser les bords à l'aide d'une spatule. Et donc avec aussi toujours un verre d'eau chaude. Ça va nous permettre en fait de faire fondre un peu la mousse au chocolat pour bien lisser. Voilà. Donc là, les côtés de mon gâteau sont tout à fait lisses. Tout le contour est bien lisse, donc je vais le repasser au frais et je vais finir avec la déco.